happened in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. La visitation de Dieu au Congo. La visitation de Dieu au Congo. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant : un prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Luc 7, verset 16. À quoi consiste la visitation de Dieu ? La visitation divine consiste à la manifestation d'un envoyé de Dieu chargé d'accomplir une tâche donnée, une mission bien spécifique. La visitation de Dieu au Congo consistera donc à la manifestation d'un ministère prophétique hors de commun qui dévoilera les voies d'accomplissement d'un puissant mouvement de réveil spirituel, d'une grande révolution spirituelle. Jadis, plusieurs illustres personnalités de renommée mondiale avaient déjà prédit cet événement, en l'occurrence T.L. Osborne. En effet, ce dernier, au cours de sa dernière tournée africaine d'évangélisation, viendra en 2001 au Congo et prophétisera comme suit. La mission d'évangélisation de toute l'humanité a été confiée à l'Afrique en commençant par le Congo comme point de départ. Et le salut de toute l'humanité dépend grandement de cette ultime mission d'évangélisation que Dieu a confiée aux Africains. Cette prophétie viendra corroborer celle de la femme de Maurice Rouleau qui a aussi eu une vision dans laquelle elle voyait un puissant mouvement de réveil spirituel partir du Congo, embraser l'Afrique jusqu'à atteindre le monde entier. Par quoi se caractérisera donc cette visitation de Dieu au Congo? La visitation de Dieu au Congo se caractérisera par l'exercice de ce ministère prophétique qui viendra pour la concrétisation de ses prédictions, c'est-à-dire traduire la révélation en une action concrète palpable. Quelles sont donc les différentes étapes de cette visitation au Congo? Voici les quatre étapes de la visitation de Dieu au Congo. La première étape, l'ange à Marie, Luc 1, versets 26 à 27. La Vierge Marie est l'image de l'Église qui est présentée à Christ comme une Vierge pure. Envoyée par Dieu pour apporter un message à la Vierge Marie, l'ange Gabriel représente ce ministère prophétique qui a la mission divine de montrer à l'Église, corps de Christ, toutes les voies d'accomplissement de ce mouvement de réveil spirituel. Ce ministère prophétique et va élucider les mystères liés à la manifestation de ce puissant mouvement de réveil spirituel. Où, quand, qui, comment,
Toutes ces questions relatives à ces puissants réveils seront donc dévoilées par ce ministère prophétique à toutes les églises de réveil du Congo. La deuxième étape, l'ange à Joseph. Matthieu 1, versets 19 à 20. Joseph, le fiancé de Marie, représente le pouvoir séculier, l'autorité dirigeante de la nation. L'intervention de l'ange dans le songe à Joseph pour lui donner les instructions représente l'étape qui consistera à apporter toute la lumière sur le bien fondé de cette visitation divine aux autorités du pouvoir séculier. Ce ministère va convaincre l'État congolais à subventionner cet événement qui est censé se produire à partir des églises de réveil du Congo. Troisième étape, la connexion. Matthieu 1, verset 24. Joseph et Marie, qui représentent le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique, sont respectivement les dépositaires exclusifs de la provision et de la vision. Cette étape est très déterminante pour la faisabilité de ce mouvement de réveil spirituel par le fait que la provision doit être associée à la vision pour garantir l'accomplissement de cette révolution spirituelle dans l'ensemble du pays. L'État et l'Église doivent se compléter dans l'intérêt suprême de la nation. Quatrième étape, l'étoile apparue au mage. Matthieu 2, versets 1, 2 et 9. L'étoile qui est apparue au roi mage et qui les orientait jusqu'au lieu où se trouvait le petit enfant Jésus n'est autre chose que ce ministère prophétique. Et les mages d'Orient ne représentent que des puissants partenaires internationaux disséminés dans le monde entier. Cette étape consistera donc pour ce ministère prophétique d'effectuer des tournées internationales à des séminaires, des colloques, conventions, conférences pour mobiliser un grand nombre de puissants partenaires étrangers qui viendront soutenir l'avènement de ce mouvement de réveil spirituel ici au Congo. Tala po malobe uta pana nzambe yemoko akobisa na komena ki na mo boy 1 5 10 na sel 1 plus 5 ça fait 6 6 plus 10 égale 16 donc 16 ans de preuve to tu ko lecture 2001 2017 po ke to kota na 30 ans ya gloire to so kota pe 30 ans ya gloire Trois types de cadeaux que les mages d'Orient avaient remis à l'enfant, Matthieu 2 à 11, caractérisent le soutien de ces puissants partenaires étrangers à cette révolution spirituelle, ce mouvement spirituel dont voici la signification.
représente la royauté. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront donc l'élévation de Jésus-Christ comme roi, seigneur et sauveur de la nation congolaise. L'encens représente le sacerdoce. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront la thèse de la christianisation de la nation entière, faisant passer le Congo d'un État laïque à un État chrétien. La mire représente l'immortalité. Ses puissants partenaires étrangers soutiendront l'inamovibilité des institutions théocratiques chrétiennes de l'État congolais. You are Alpha.